Nous voici donc encore avec Monsieur Emmanuel Jean-Emmanuel Foumbi. Son histoire est difficile, son histoire est poignante. Voici un inventeur qui a réalisé beaucoup de choses d'abord dans la diaspora et qui est revenu réaliser au Cameroun. Alors, un récapitulatif de quelques dates pour se situer. Monsieur Jean-Emmanuel Foumbi est arrêté le 9 mai 2013 au Cameroun. Il passe 2 jours en cellule. Et ensuite, il est 12 jours, pardon, en cellule. Ensuite, il est condamné 2 fois en l'espace de 4 semaines. Il passe presque 2 ans en prison. Et nous voici qui nous arrivons au 13 février 2015, jour de ce qu'on appelle sa libération. C'est une libération qui est curieuse. Est-ce que un juge a signé votre acte de libération? Est-ce que vous avez épuisé votre peine? Qu'est-ce qui se passe? 13 février 2013, un vendredi. Il est 22h15 par là, quand surgit tout à coup 13 février 2015. 13 février 2015, Voilà, c'est ça. un vendredi. Donc il est 22h15 par là, quand survient tout à coup le régisseur, auréolé de tout son staff, les médecins, une dizaine de personnes. Monsieur Foumbi, vous êtes libre. Libre? Moi? Oui, monsieur, vous êtes libre, sur le champ. Et si vous en avez convenance, je veux bien passer un coup de fil pour rendre compte à qui de droit. Apparemment, au bout du fil, le procureur général, qui devait s'en référer effectivement à la haute hiérarchie, expression consacrée. Et en effet, sur le champ, je venais de recouvrer mon droit à la santé, mon droit d'aller me soigner, et avec ricocher ma liberté après 23 mois de torture et de séquestration arbitraire à la seule fin de déposséder un partenaire technique de l'État du Cameroun de son invention sous l'instigation d'un tandem de ministres, les ministres de l'économie et celui qui garde les sous. J'ai été libéré pour aller parce qu'il y avait un péril sur ma vie. J'étais à l'article de la mort, clairement mourant, sans titre ni décision judiciaire. Exactement en parfait parallélisme des formes par rapport à mon arrestation. Tel j'ai été arrêté, tel j'ai été libéré. Pourquoi? Pour l'évacuation sanitaire. La raison d'ailleurs, c'est l'évacuation sanitaire parce que les autorités françaises qui m'informent des tractations en cours m'informent que c'est leur angle d'attaque dans le cadre du mano-mano avec les autorités camerounaises. Ce n'est pas un texte qu'il écrit, ce n'est pas un document, parce que le garde des Sceaux aurait pu prononcer l'arrêt des poursuites, cela relève de sa prérogative. Le président de la République, qui, selon ce qui a été rapporté, a donné instruction pour que, à 22h15, qui n'est pas exactement l'heure à laquelle d'ordinaire on libère les détenus, sans titre, sans décision judiciaire, juste comme ça, 23 mois. La civière, les ambulances, 2 médecins, l'aéroport, le consul, pour s'assurer que quand même je vais finir par partir, parce que plusieurs fois on a promis de m'évacuer sanitairement sans jamais donner suite à la promesse, et le décollage. Dès que j'atterris à Roissy, sur le tarmac, commence la prise en charge. Et va suivre une très longue période, extrêmement rude, période d'incertitude. On ne sait jamais ce qu'on a, ou ce qu'on a eu, ou ce qu'on nous a fait quand on entre dans un camp. Un camp, c'est la succursale de l'enfer sur terre. Ce n'est pas une prison. C'est le lieu où s'arrête la loi, où s'arrête l'humanité, le lieu de tous les possibles. Là où l'imagination peut acquérir les meilleures lettres de noblesse dans sa fertilité. On teste comme on expérimente dans un laboratoire. Beaucoup
de ceux qui sortent du camp de Nubel meurent peu de temps après. Et quand ils ne sont pas morts, ils sont des grabataires. Et s'ils échappent aussi à cette condition physique, moralement, ils sont, disons-le gentiment, pour faire un euphémisme, perturbés, dérangés, instables, perdus, si vous préférez. Donc je ne savais pas ce que j'ai eu. Je ne parle même pas de la rééducation, des séances de kiné. Je ne parle pas de l'artillerie, de l'opération chirurgicale pour mes yeux. Je ne parle pas de tout ça. Parce qu'en France, la prise en charge a été remarquable. Elle a été impeccable. Et parfois, il faut le redire. Parce que ce fut le cas, vraiment. Donc, chemin d'incertitude, pente raide, rude. Mais finalement, je suis surpris parce que on m'envoie une délégation pour négocier. Mon silence. Alors, avant d'arriver là, c'est tout de même curieux. Voilà que vous avez été arrêté, vous étiez en prison pour 2 ans pratiquement. Vous êtes libéré sans un document. Et donc, vous n'êtes plus poursuivi. Vous êtes évacué, vous êtes libéré pour des raisons médicales. Et en même temps, comme vous venez de dire, vous retrouvez votre liberté. Et vous n'avez plus de soucis judiciaires de ce cas. Mais alors, ce n'est pas tout à fait exact. Ah, voilà. On me poursuit toujours. Voilà, très bien. Les condamnations de l'excellentissime Jean-Paul Kiam, pour ne pas le nommer, parce qu'il y en a qui méritent d'être connus, 18 mois et 24 mois, si vous faites le calcul, entre le 9 mai et le 15 février, dans un pays où il n'y a pas de remise de peine automatique, comme on peut l'avoir dans la plupart des pays, où il n'y avait pas à l'époque eu de grâce présidentielle, et il n'y a pas non plus eu d'arrêt de poursuite, ni du ministre du garde des Sceaux, ni de personne d'autre. Et il n'y a pas eu de décision judiciaire dans ce sens, disant que les... Donc les procédures judiciaires ont continué. Simplement, il faut le savoir. Nous avons trouvé les ressources, et nos avocats en particulier, pour faire en sorte de casser ces jugements qui, de toute façon, ne pouvaient pas tenir sur le terrain du droit. Donc, les condamnations ont été annulées, pour faire simple. Mais comme... D'ailleurs, si j'avais bénéficié d'une grâce présidentielle, cela aurait simplement commué ma peine ou l'annulé, mais ça n'aurait pas annulé en quoi que ce soit les décisions judiciaires. Et je n'aurais pas été en capacité, étant entendu que mon innocence aurait été définitivement entachée. J'aurais juste été un coupable qu'on a condamné qui a bénéficié de largesse présidentielle ou ministérielle, je sais pas, pour ne pas connaître sa peine jusqu'à son terme, au nom de l'évacuation sanitaire. Ce ne fut pas ça. Donc, cette négligence ou ce mépris de m'arrêter arbitrairement et de me libérer arbitrairement a du bon, après coup. Je mets des lunettes, j'ai quand même le droit de regarder les choses différemment, inventeur de mon état. Donc, c'est très bien parce que sinon, je n'aurais pas eu la possibilité de soumettre ce régime d'impunité qu'est le département de la justice au Cameroun au feu de la lumière d'autres juridictions qui pourraient avoir envie de simplement dire le droit. Donc, je n'aurais pas eu la capacité, ni comme individu, ni comme représentant légal de Hope, la personne morale aurait tout perdu sans aucune possibilité de se plaindre, ni d'exposer ses œuvres ténébreuses. Si jamais il y avait une quelconque, finalement, une négociation ou une grâce ou un abandon voilà, s'il y avait eu un abandon de poussite, il n'y aurait pas eu de problème. J'aurais d'ailleurs peut-être posé la question de savoir si cette galanterie, même tardive, ne méritait pas quelques égards. Mais elle n'est pas arrivée. Et donc, c'est comme ça que les décisions ont été toutes cassées, toutes, et ayant retrouvé mon innocence, par ricochet, la personne morale retrouvait la sienne, puisque c'est le représentant légal de Hope qui avait été invité, même si c'est l'individu qu'on a condamné. Donc, les condamnations sont tombées et a commencé donc cette démarche de négociation dont je parlais tout à l'heure, mais surtout des procédures judiciaires que la personne morale, le groupe Hope, mon entreprise, a cru devoir intenter pour quand même expliquer qu'il y a un moment où c'est juste beaucoup ou même trop. Quant à ce paradigme de l'impunité,
où quelques-uns se comporteraient comme s'ils avaient droit de vie ou de mort, comme si c'était, en fait, comme un prolongement de ce camp. C'est-à-dire que je ne voulais pas sortir de ce camp et continuer à avoir des attitudes reflétant exactement les comportements que j'y ai vus ou le régime que j'y ai subi. C'est-à-dire un régime de non-droit, un régime où il n'y a pas d'humanité, où l'arbitraire, c'est ce qui est imprévisible. Le droit, c'est pour la prévisibilité. Mais je veux bien comprendre la nature des pouvoirs qui ont permis à infléchir cette machine judiciaire qui était lancée contre vous, la nature des forces en France qui ont permis que finalement, malgré plusieurs tentatives, vous soyez libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est intervenu? Comment? À quel niveau? Et sur qui a-t-on fait pression pour obtenir finalement votre libération? Monsieur Mboma me l'avait dit. On peut lui imputer cette franchise, cette honnêteté. Il m'avait informé, donc j'étais prévenu, qu'au Cameroun, il y avait une seule personne en capacité de me faire libérer du guet-apens qui avait été ardemment tissé pour être sûr, si ce n'est d'une condamnation à vie, du moins de ma mort. En effet, il a eu raison parce que sa profite s'est arrêtée. Il s'est avéré que personne d'autre ne pouvait rien. Et c'est une intervention de l'Élysée à la suite de l'intrépide sénateur des Français à l'étranger, j'ai nommé Jean-Yves Lecomte, un baroudeur. Il s'est battu. Il a remué ce qui devait l'être au Quai d'Orsay, au Parlement et partout où quelque chose devait être remué. Il s'est assuré que cela le soit. Il a également, on va dire, dynamisé, encouragé les autorités françaises locales à faire en sorte qu'on reste sur le terrain du droit dès lors qu'il s'agissait d'un citoyen français qui bénéficie de la garantie des droits que lui accorde non seulement la loi française, mais les lois internationales ratifiées concomitamment par l'État du Cameroun d'une part et la France d'autre part, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, c'est réellement sous l'égide de M. Lecomte que le Quai d'Orsay a bougé, M. Fabius à l'époque, notamment qui a dégagé une équipe... Qui était donc ministre des Affaires étrangères, qui a dégagé une équipe à cet effet. Je me souviens que le président de l'Assemblée nationale, pour la première fois française, se rendait au Cameroun, Claude Barthelone. Il a plaidé, entre autres, mon cas, celui de Lydiane Ayoum et d'autres. Je me souviens aussi que Jean-Yves Lecomte a mis les pieds dans le plat. Il a carrément fait une conférence où il a dit les choses. Parce qu'en fait, il s'était senti un peu, je pense qu'il le dirait diplomatiquement, mais enfin, concédez-moi, je suis pas un diplomate, roulé dans la farine, puisque les promesses du garde des Sceaux d'autoriser mon évacuation sanitaire consécutivement à l'expertise qu'il avait demandé à son collègue du ministère de la Santé, M. Mamafouda à l'époque, et qui avait dit la même chose que les médecins de l'hôpital général à deux reprises, que les médecins de la Quintini à deux reprises, que les médecins de la Lucham, que celui de la prison, etc. En fait, il n'a pas donné suite et l'évacuation n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui a réellement donné le déclic à M. Lecomte de dire « Cette affaire va très mal se terminer ». Là, effectivement, quelques médias français ont pris le relais. Les médias locaux au Cameroun, que je salue ici, ont fait un travail formidable. Et je crois que cette mobilisation s'est conjuguée de manière extrêmement synchrone pour faire en sorte de rendre mon évacuation sanitaire possible parce que, en fait, c'était ça ou un scandale dès lors que le cas était déjà connu. Oui, mais cette attraction ne pouvait pas obtenir à elle seule. Peut-être a-t-il eu l'intervention de quelqu'un de plus élevé au niveau français. Non, l'Élysée, c'était le président François Hollande. Ah. Et son cabinet. Je vous ai dit, c'est comme c'était le modèle déjà de la libération de Michel Thierry à Tangana. Oui. Donc, d'une certaine façon, on était en train de reprendre une équipe qui a gagné. Oui. Sans la changer. Oui. Il y avait encore toujours le sénateur Jean-Yves Lecomte pour Michel Thierry à Tangana. Et il y avait le président Hollande, toujours, qui avait vraiment pris un engagement très, très important sur ce dossier. Et donc, en fait, les mêmes canaux, notamment avec Dominique Sopo en France, le président de SOS Racisme, qui s'est d'ailleurs rendu au Cameroun, il a continué, lui,
de Paris à soutenir l'antenne locale de SOS Racisme, dirigée par l'excellent maître Marc Zouba, avec ses deux adjoints, que sont notamment Cyprien Koa, d'une part, et la très regrettée Elisabeth Benkam, une journaliste qui était le vice-président de SOS Racisme à l'époque, qui est décédée entre-temps, paix à son âme, et qui, en fait, a assisté notamment à l'audience où le ministre de l'Économie a confessé, a révélé, en passant, que M. Mboma était venu dès 2012 pour le voir à l'effet d'une plainte conjointe pour détournement de deniers publics. Donc, c'est la conjugaison de ces médias locaux, internationaux, tout cela, qui a finalement, avec toutes les expertises médicales concomitantes, non pas du médecin de l'ambassade de France ou du consulat, mais des médecins de l'État. C'est tout cela qui a créé le contexte permettant finalement à M. Hollande de considérer que peut-être il pouvait également faire une intervention salutaire en ma faveur. Alors si M. Hollande intervient, quels sont les éléments qu'il met sur la balance pour faire, si je peux dire, plier les autorités camerounaises? Je crois qu'en diplomatie, ils ont leurs leviers, ils ont leurs paramètres. Et puis je pense avant tout que quand on parle du droit à la santé, du droit à la vie, on n'est plus dans le judiciaire. C'est un droit fondamental. C'était pas le dossier le plus difficile à plaider. C'était plutôt de dire humainement, à la limite, comment on explique que tous les médecins ont dit la même chose à votre demande, en tout cas parce que vous leur avez demandé de faire des expertises, et que, ayant dit tous la même chose de différentes manières, de différentes façons, vous n'avez pas tenu compte. Donc c'était plutôt à eux de justifier comment, socialement, moralement, éthiquement et juridiquement, devant la loi camerounaise, mais aussi devant la France, dont les représentants eux-mêmes n'auraient pas eu autre chose que l'embarras, et c'est ce que Dominique Sopor ses amis de SOS Racisme ont passé le temps à rappeler au président français. Ils ont fait des... Attention, il y a eu des marches, il y a eu des sittings devant le Quai d'Orsay et devant l'ambassade du Cameroun. Donc, ils n'ont pas exactement laissé non plus au pouvoir politique de faire juste à son temps. Donc, la pression n'était pas seulement au niveau des organisations non gouvernementales au Cameroun, mais elle était également en France. RFI a fait des sorties, TV5, Le Canard enchaîné. Donc, il y avait quand même une pression. Et en France, quand même, comme dans tous les autres pays européens, lorsqu'il y a des cas qui choquent la conscience, qui interpellent l'humanité, il est plutôt difficile d'expliquer pourquoi on n'a pas agi quand on aurait eu la possibilité au moins d'essayer. Et là, le dossier Thierry Michel Atangana, à qui je rends hommage, parce que ça a aidé, ça a créé un contexte, avait créé une telle susceptibilité ou alors une telle sensibilité dans l'opinion publique au Cameroun, en France, mais au-delà, même au niveau des organisations internationales, que il paraissait difficile pour le régime camerounais d'expliquer que, après le cas de Thierry Atangana, 17 ans de prison, pardon, ils allaient encore torturer et tuer un investisseur. Enfin, c'était... Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont exactement dit, M. Hollande et M. Biya. Mais ce que je sais, c'est que M. Biya a montré de la compréhension, que M. Hollande a pu trouver des arguments pour le convaincre, et qu'en cela, les autorités françaises, dans leur ensemble, que je prends comme un bloc, ont pu, avec celle du Cameroun, finalement, enfin et heureusement, trouver un point d'accord pour considérer qu'il était temps que j'aille me soigner. Mais vous pouvez quand même avoir votre idée sur les éléments dont disposait le président Hollande pour convaincre le président camerounais. Il y a des mauvaises langues. Non, je dis que c'est pour ça, étant connaissant le dossier comme vous le connaissiez, oui, bon, vous devez avoir... Évidemment, je sais que vous avez la possibilité de les interroger, mais je peux quand même vous dire qu'il y a des faits indéniables. D'accord. Les présidents français, notamment M. Sarkozy, ne s'étaient pas rendus au Cameroun malgré toutes les démarches de leurs homologues camerounais. Oui. M. Hollande ne cachait pas le fait que c'était pas exactement un empressement chez lui. Il se hâtait plutôt lentement, tout en allant dans des pays aux alentours. Et on sait que le Cameroun faisait tout, je n'en fais qu'en rendre compte, mais d'autres médias, pour être aussi dans la shortlist des présidents honorés par le président de la République française. Ce que je sais, c'est qu'une semaine après ma libération environ, M. Fabius est venu au Cameroun. Ce que je sais, c'est qu'ils ont discuté, entre autres,
de la visite de M. Hollande. Je sais qu'il y avait beaucoup de dossiers sur la table. Je ne peux pas affirmer que le mien... D'accord. Que le mien n'y figurait pas. D'accord, d'accord. Non, je sais aussi que M. Hollande est allé au Cameroun. Je sais qu'il n'y est pas allé exactement comme à l'ordinaire, puisque ce fut une visite remarquable, ou plutôt iconoclaste, à l'aéroport de nuit. Mais enfin, il est allé au Cameroun. Et puis, permettez-moi de dire que je ne suis pas mort, tout simplement. Et donc, il y a ces faits-là, ils sont indéniables. Après, je crois qu'on peut toujours dessiner des scénarios, et celui que j'expose ne manque pas de cohérence. Alors, il y a quelque chose encore de surprenant, et même, j'allais dire, de choquant, que l'on refuse à un Français qui est sur l'article de la mort une évacuation sanitaire, alors que le Cameroun est un pays qui pratique beaucoup l'évacuation sanitaire, notamment en direction de la France. En effet. Alors, la question se pose ici de deux façons. D'abord aux autorités camerounaises qui refusent cette évacuation, mais aussi aux autorités françaises. Parce que comment expliquerait-elle ces autorités aux Français que la France continue d'accueillir régulièrement des Camerounais qui viennent en évacuation sanitaire, et qu'un Français qui est prêt de mourir, presque, qui est sûr, comme vous dites sur l'article de la mort, qu'il lui soit refusé la même chose. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? J'imagine qu'au ministère des Affaires étrangères, d'une part, et à l'Élysée d'autre part, mais très certainement le sénateur Jean-Yves Lecomte, j'imagine que dans leur argumentaire se trouvait le dispositif du motif que vous venez de soulever. Et pour ne rien vous cacher, le consul général, un jour à l'hôpital général, est venu expliquer aux médecins, parce que réellement j'étais à l'article de la mort, et leur a dit « Non mais qu'est-ce que j'explique moi à Paris ? Que vous venez, je vous donne des visas pour évacuer sanitairement des cas moins graves et que vous appliquiez autre chose sur un compatriote qui, lui, n'a même pas besoin de payer les soins parce qu'il a sa carte vitale, parce qu'il a sa mutuelle. J'explique quoi ? Ou alors, vous faites quoi ? Vous revenez me voir demain ? Monsieur le directeur général, vous revenez me voir ? Monsieur les chefs de service, pour me soumettre vos cas à vous, pour que je les signe, et je dois venir lui rendre visite tout le temps à l'hôpital ? Et vous m'expliquez que son cas, vous ne pouvez pas le soigner ? Je vous explique que dans son cas, j'ai même pas de procédure à faire, que c'est son droit d'aller se soigner en France. Il a dit les choses comme ça. J'imagine qu'il fait des rapports à Paris. J'imagine que le Quai d'Orsay ou l'Élysée lisent les rapports. Donc cet argument a pu peser. Vous me demandiez tantôt qu'est-ce qui s'est dit entre les présidents. Les présidents, ils lisent parfois ce que leur disent leurs conseils. J'imagine, je suppute, j'ai même la faiblesse, je suis enclin à penser que M. Hollande, entre autres, ou les collaborateurs qui ont agi dans cette opération, ont pu lire ces rapports et n'ont pas tardé, ne se sont pas privés du privilège de s'en servir. Par une opération curieuse, vous avez survécu. Un avion avec des médecins vous transporte de Douala pour la France, vous êtes pris en charge médicalement. Ici, pouvez-vous vraiment, très rapidement, je sais que c'est difficile, c'est douloureux, c'est des souvenirs, j'imagine, atroces. Votre effort physique et mental pour vous relever, pour vous soigner, pouvez-vous nous les décrire, s'il vous plaît? Et combien de temps ça a duré? Si vous sortez du camp de Nubel, si vous échappez à la succursale de l'enfer sur Terre, elle, cette succursale, elle ne s'échappe pas de vous. Elle vous poursuit. Pas seulement physiquement avec la maladie, mais y compris psychologiquement. Elle va dans vos nuits, encore longtemps, danser des mélodies, des images, des rappels, des souvenirs que vous auriez voulu à jamais que la mémoire exerçât cette faculté distinctive qu'elle a, c'est-à-dire l'oubli. Vous êtes dans ce carcan-là. Vous n'êtes plus dans le camp, mais le camp est encore en vous. Il est derrière vous. Il vous poursuit. Il dort avec vous. Il marche avec vous. Et il s'invite de manière extrêmement mal éduquée
de façon inopinée, chaque fois que bon lui semble, alors que vous êtes en train de vaquer, tantôt à des actions pour vous soigner, tantôt simplement à des choses très ordinaires, comme parler avec vos enfants, avec vos proches, avec vos amis. Il s'invite. Et vous devez encore lutter contre la succursale de l'enfer sur terre. D'ailleurs, vous devez parvenir à nommer. Parce que si vous dites que c'est la prison, il y a une contradiction de par la formation, de par votre instruction. Parce que vous savez ce que veut dire prison. Vous ne pouvez pas à la fois... Vous devriez vous réjouir si vous êtes sorti de prison. Dans mon cas, j'avais toujours été innocent, même si on m'avait condamné. Dans mon cas, je n'étais pas allé là-bas malade, mourant. Enfin, j'étais suivi, mais j'étais en santé lorsque je suis allé à cette mission à laquelle le gouvernement, à travers le ministre de l'Économie, m'a invité. Donc, par voie de conséquence, l'effort extraordinaire pour aller chez le kiné, l'humiliation d'attendre vos proches pour monter les escaliers, pour aller à la cuisine, pour aller au frigo, pour aller aux toilettes. Ça, c'est quelque chose qui vous fait toucher du doigt la réalité que l'humanité, ce n'est pas une humanité, c'est l'humanité, une. Et que vous êtes quand même revenu dans la famille, sauf que vous vous sentez au banc des touches. Donc c'est d'abord un cheminement intérieur d'une rare violence, avec des humiliations, avec un choc, comme des chocs thermiques, entre d'une part l'émergence ou la résurgence de la succursale de l'enfer sur terre, d'une part, et d'autre part la réalité, les proches qui vous regardent autrement, qui ne comprennent pas, qui sont perdus, et vous n'avez pas la force de leur expliquer quoi que ce soit parce que vous avez toute votre énergie concentrée vers l'objectif de la guérison. Et il y a les médecins, il y a les soignants. Et puis, il y en a qui vous disent des mots dont ils ne mesurent même pas la portée d'ensoleillement dans vos journées. Et le kiné qui vous dit, j'en ai vu des hémiplégiques, moi. Mais à ce niveau de détermination, vous êtes un sacré bonhomme. Et moi, je vous dis que personnellement, je vais continuer votre rééducation jusqu'au bout. Quand vous entendez des paroles comme ça, vous avez gagné votre journée, votre semaine. Et petit à petit, la mobilité a commencé à revenir. Puis cette main, droite, je suis plutôt droitier, elle a commencé à... Elle s'est comme réveillée, sorte de résurrection, comme ça, la vie est revenue en elle. Et puis elle a bougé, puis elle a mieux bougé, elle a davantage bougé, puis le pied, etc. Et la vie est revenue dans mon corps. Et les yeux, il y a eu des opérations. Les médecins vous font toucher là aussi à l'humanité. Parce que c'est au-delà d'experts. Quand vous voyez des médecins qui disent « on ne sait pas exactement, totalement de quoi il s'agit, mais nous, on va s'assurer que dans les deux hypothèses qu'on va retenir finalement, qu'on est peu ou prou dans le bon. » Quand vous voyez cette détermination, alors qu'il vous explique par ailleurs qu'il tâtonne, il parle de tâtonner à un inventeur, donc un chercheur. Je sais exactement. Quand on tâtonne, mais enfin, si on savait, on ne chercherait pas. Il y a cette incertitude. Et de fil en aiguille, donc mon opération a eu lieu. Je n'ai pas recouvré complètement ma vue, loin de là, par rapport à avant. Mais enfin, je n'ai pas envie de me plaindre. J'ai envie de dire que je vois, je lis, j'écris et j'en abuse même parce que je lis beaucoup. Finalement, donc, j'ai pu recouvrer la santé. Ça a pris deux ans. De 2015 à 2017. Aussi longtemps que la durée de mon séjour physique dans la succursale de l'enfer sur terre, que j'ai nommé le camp de Nubel.